Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box et je vous retrouve avec la box Evidence, qui est la box bio qu'on vous présente régulièrement sur cette chaîne. Et là, c'est celle du mois de septembre et on a forcément une petite image qui nous explique comme d'habitude que c'est la rentrée. Et donc là, on a une fille qui fait du yoga, qui a l'air très motivée pour sa rentrée, pour recommencer sur de bonnes bases. Donc c'est plutôt une bonne idée, leurs box sont toujours très bien faites, elles sont vraiment mignonnes avec un dessin qui est toujours fait par Emily et Myarty. Et c'est souvent un dessin qui est très... pas enfantin mais qui fait très dynamique, très dessin qu'on pourrait avoir dans une bande dessinée un peu féminine, donc je trouve ça très sympa. Et ensuite, quand on ouvre, on a donc les produits. Tout de suite, on tombe sur une cure de spiruline. Donc c'est Caroline l'Incroyable, c'est certifié bio de la marque Vegalia. Et donc on a 100 g de cure de spiruline qui est sans gluten, certifié éco-cert et vegan. Et donc en fait cette algue un petit peu mégite qui a un effet donc de super aliment nous apporte dedans beaucoup de protéines, du fer, du magnésium et des autres vitamines qui font d'elle un super aliment indispensable pour rayonner au quotidien. Donc ça c'est vraiment une cure à faire lorsque vous vous sentez un petit peu fatigué en rentrant des vacances, que vous avez peut-être fait des vacances un petit peu chargées, que vous avez repris le travail, que vous avez du mal à vous remettre dans le rythme habituel. Ça peut être une cure très sympathique. J'aime beaucoup le packaging, donc c'est tout simplement des petites gélules vertes comme ça à prendre. Alors moi j'aime pas trop l'odeur, ça sent un peu la menthe. Mais après, à mettre, voilà, à prendre avec son jus d'orange le matin, je pense que ça passe très très bien. Le packaging est vraiment original, très mignon. C'est une marque que je ne connaissais pas, donc ça peut être sympa à découvrir. Évidemment, comme à chaque fois, on a les petits produits qui sont expliqués dans le petit flyers. Alors justement, cette marque, il faut savoir qu'elle est française. Et ça coûte 16,90€ pour une cure. Donc je pense que ça doit être une cure de quelques semaines, peut-être pas un mois. Je pense qu'il faut en prendre... deux petits ronds quotidiens la première semaine, puis trois petits ronds deux fois par jour. Voilà, après je sais pas combien de temps on fait avec cette cure. 30 jours de détox, donc ça fait bien un mois. Ensuite, on va passer aux produits de cosmétiques. Un premier produit qui me déçoit un petit peu, mais qui est très approprié au thème un petit peu de rentrée de ce mois-ci. C'est juste que je l'ai reçu déjà dans d'autres box et je n'ai pas aimé. C'est de la marque Nominoé, qui est par contre une très bonne marque. C'est une marque qui est faite en Bretagne à base d'actifs bretons et c'est une marque française, donc c'est très agréable. Et là c'est le masque baume visage nuit hydratant éclat au chardon bleu des dunes. Alors c'est très sympa parce qu'en plus les ingrédients sont souvent très naturels. Donc là c'est certifié bio, éco-cert, c'est fait en Bretagne, ça coûte 25€. Et en fait le chardon bleu des dunes et l'eau d'ajon donnent une formule unique hydratante qui va réparer et apaiser votre peau. Alors le problème c'est que c'est un baume assez épais, vraiment très très épais, assez gras finalement, qui va vraiment venir faire une couche sur votre peau. Donc soit vous le laissez poser toute la nuit et puis le lendemain matin c'est absorbé par la peau, ou soit vous le laissez poser 10 minutes et après vous rincez, et quand vous rincez ça finit un petit peu en effet lait du coup avec le contact de l'eau. Mais moi je trouve ça un petit peu trop riche pour ma peau tout simplement, ce qui fait que ça me donne encore plus d'imperfections. Donc je ne vais pas l'utiliser, je vais le donner. Mais c'est un produit qui est aimé par beaucoup de personnes pour le côté très confortable qu'il laisse sur la peau. Et pour la rentrée, c'est nickel pour venir s'apaiser avant le retour du rush, de la ville, des voitures, etc. Donc si vous avez une peau plutôt sensible, mixte à sèche, ça peut vous convenir. Les peaux grasses, peut-être moins. Ensuite, le deuxième produit est de la marque Fitema. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, Fitema Bio, qui est le baume soin apaisant chaleur d'Asie. Donc c'est un baume qui est fait en France, c'est certifié bio et ça coûte 14,90€. Donc c'est un baume qui sert à détendre les muscles et atténuer les courbatures, ça va soulager les articulations, calme aussi les migraines légères avec un massage circulaire au niveau des tempes, dégage les voies respiratoires et atténue les piqûres de moustiques. Donc en gros, ça fait tout. C'est le baume un peu multi-usage qu'il faut garder avec soi quand on a un petit bobo finalement. Alors je ne connaissais pas du tout, le format est très joli, ça fait un petit peu asiatique comme ça, d'où le thème du baume. Et c'est un soin actif anti-tension. On a un format de 30 minutes, donc je pense que c'est le genre de produit qui vous dure une vie, à toujours avoir chez soi dans sa petite pharmacie maison. Ouh, ça sent très fort la menthe en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit en effet aider au niveau des voies respiratoires. Donc si vous avez un petit rhume de rentrée, n'hésitez pas, c'est vraiment un produit assez intéressant. Là clairement la box est vraiment axée sur le côté prendre soin de soi. Moi qui vais commencer à faire un peu de sport, ça va peut-être être agréable après avoir fait du sport pour apaiser les muscles, donc j'ai hâte de tester. Et le dernier produit est un produit de maquillage, et en général on peut choisir la couleur, mais ce mois-ci on ne pouvait pas tout simplement parce qu'il n'y en avait qu'une. Et c'est un mascara, donc un mascara noir bien évidemment, qui est de la marque Studio 78 Paris. On avait déjà reçu un produit de cette marque, qui est d'ailleurs très pigmenté. C'est une marque certifiée éco-cert, vegan et cruelty free, donc non testé sur les animaux. Ce mascara coûte 23€ et ce qu'on aime c'est que sa compo est très clean. Mascara double effet avec une combinaison parfaite, brosse formule pour un résultat maquillage ultra naturel, longueur et courbure et sans effet paquet. Le packaging est très sympa, ça fait assez chic quand même en effet un petit peu carton.
quand vous ouvrez, vous avez une brosse qui, à mon avis, conviendra à beaucoup de monde, qui est un petit peu plus petite vers l'avant pour bien faire les cils d'avant sans en mettre au niveau des. Sans en mettre sur la paupière tout simplement. Et c'est des picots qui ont l'air, enfin des picots des poils qui ont l'air assez espacés pour pas trop faire de paquets. Après, avoir l'intensité si ça ne migre pas au niveau des paupières. Mais je trouve que c'est une bonne idée d'avoir un mascara bio, surtout quand on met des choses près de ses yeux, c'est quand même plus agréable de savoir un petit peu la composition. Et donc voilà pour la box de ce mois-ci qui est vraiment, vraiment très sympa. Alors on nous parle un petit peu aussi d'une boutique de yoga parce qu'on peut comprendre que ce mois-ci sont très axés sur l'idée de reprendre soin de soi, de se remettre en forme pour la rentrée. Mais je trouve que ça change et c'est agréable. Alors évidemment si on s'attend à des produits de beauté bien particuliers, on va peut-être être déçu. Mais prendre soin de soi aussi, de son corps en général, c'est une bonne chose et je trouve que cette box change un peu. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, vous avez passé un bon moment, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne rentrée pour tous ceux qui n'ont pas encore repris. Et puis bien évidemment, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao !